did you start doing this type of action? Specifically like this, it would have been, it'll be 2 years ago pretty soon. But I mean, I remember the very first weeks, this was in 2000, when I first believed that Jesus really rose from the dead. I mean, there was a process, maybe like a year, 2 years, when I went from being an atheist to being convinced that, well, the universe is not an accident. There's some thing or someone behind all of existence. And then that started my search to know, well, who or what is behind, like, what is this force or this intelligence? J'étudiais en sciences pures. Fait que pour moi, là, la religion, regarde, je voulais rien savoir de ça, incluant la Bible, Jésus, tout ça, là. Mais j'ai cherché, j'étais convaincu que, regarde, comme on a parlé un peu de la vérité absolue, j'ai suivi les indices. Puis malgré moi, les indices, ils pointaient que la Bible, regarde, c'est pas une religion. Puis historiquement, ça match archéologiquement, même géologiquement, on pourrait aller, il y a tellement d'évidence. Pour moi, si quelqu'un regarde les évidences, il y a un cas, je sais pas comment dire ça en anglais, a case. On peut bâtir tout un case, un cas pour Jésus puis la Bible. Que pour moi, si tu suis les indices, ça prend plus de foi pour pas croire en Jésus. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui croit, comme aujourd'hui, je sais qu'ils vont dire que l'univers est venu de nulle part, okay? Le néant a tout créé l'univers. Yeah, il y a du monde comme Richard Dawkins, Alison Krauss, ils vont prêcher ça. Puis ils ont du monde qui suivent ça, ils aiment ça, ça fait leur affaire. Pareil comme Darwin, le darwinisme, regarde, t'as des molécules que, donné des millions d'années, les molécules se sont assemblées pour faire les protéines nécessaires. Puis regarde, une protéine, là, regarde, c'est complexe, là, comme ça n'a pas d'allure. Well, actually, for me, God created science. I really like science. I mean, I finished Pure and Applied at Dawson, and it was at that time when I was saying before that unless God illuminates our understanding, our perception of things is not the same. When He opened my eyes to believe that the universe is not an accident, all of a sudden, everything I knew about physics and cosmology, it just became completely clear. Like, I mean, that was like the foundation of my faith, that the universe is not an accident. All these laws, all this symmetry, the order, the complexity, the perfect order, I was like, that's not an accident. Some things, and it was a deep-rooted conviction, and that was like the foundation of my faith. Like Akorapur, you know? Existence is an infinitely grand miracle. Pour moi, ça prend plus de foi de croire, regarde, donner des millions d'années que des molécules se sont arrangées pour faire les protéines nécessaires pour faire l'ADN, puis etc. Mettre toutes les étapes que tu veux, imaginer que ça s'est produit, ça c'est une grande foi. Que pour moi, ça prend moins de foi de juste regarder les indices, suivre les indices qui vont pointer à quelque chose qui est vrai malgré nous, qui est à dire que, regarde, Dieu nous a créés, et puis la mort, c'est un problème. Dieu voulait qu'on ait la vie éternelle. La mort, c'est une punition à cause de notre rébellion contre Dieu. Ça, c'est plus dur à avaler que croire. Pour beaucoup de monde, c'est plus facile. Ah, oh, regarde, on est juste des molécules bien arrangées. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de jugement. Fais que ce que tu veux. L'évolution a tout fait. On n'a pas besoin de répondre à l'évolution.